Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog. Je me suis dit que ça pourrait être sympa puis ça allait m'entraîner peut-être un petit peu. J'espère que ça bouge pas trop là. En fait il est genre 13h je crois et on a eu envie d'aller manger en extérieur, donc on va aller manger aux Courtes Pailles. On va pas trop traîner parce qu'ensuite faut que je sois à Paris à 17h en fait, puisque j'ai rendez-vous avec la sœur de Ilou pour lui remettre donc quelques revues des magazines et puis aussi le verre que j'avais acheté pour sa fille que je vous avais présenté dans un hall action, un petit verre mini. Voilà, donc il fait frais encore aujourd'hui, donc j'ai mis le pull bleu que je vous ai présenté dans un hall H&M, une petite veste que j'avais achetée en promo solde à Auchan, et puis un jean assez simple, et mes baskets. Voilà, écoutez, c'est parti. Coucou les amis. Il ne te voit pas, chérie, t'es trop petit. Donc voilà, on est arrivé à Courtepaille, donc on va manger au Courtepaille. Coucou. Il est un peu plus de 13h, on commence à avoir drôlement faim. Et Ouais. puis voilà, on arrive Moi j'ai là-bas très très avec faim en le tout cas. bébé au loin. Et donc on lui a donné à manger avant de venir parce que voilà, surtout que les enfants sont déjà un petit peu excités. Donc bon appétit. Sortie du Ouais. Voilà, donc on est Courtepaille. Courtepaille, t'as mangé quoi? T'as du chocolat plein la bouche, on voit. Du chocolat plein la bouche. Et puis avant de rentrer à la maison, on va peut-être faire un petit tour chez Action. On va essayer de négocier avec mon mari. Du coup, comme ça, je vous filmerai pour celles qui n'ont pas de Action près de chez vous. Comme ça, vous verrez un petit peu comment c'est fait et puis éventuellement ce qu'on peut y trouver. Donc, nous voilà arrivés à Action. Donc, je vais essayer de filmer un petit peu l'intérieur pour vous montrer comment c'est fait. Il y a des petits Moi je lapins. vais voir au rayon jouet ce Attends, qu'il on y va a. aller au rayon jouer après. Là, ils ont mis des plateaux comme ça là. Avec miroir. Là, ils ont mis des tout petits. C'est des petits ça. T'aurais pas que chat pour mettre dans ta chambre? Aussi pour faire des lampes avec les pieds et les abat-jour, des petites corbeilles en osier. Regarde les mini bancs, pas trop à quoi ça sert. Des vases, des petites bouteilles graves. On en avait acheté des trucs comme ça à Noël. C'est quoi? Des petits trucs en bois là. Parce que nous c'était des sapins de chambre. Ah ouais. Des petits sucriers à 1,95€. Des tasses. Et du monde. Donc, il y a aussi des tableaux, des tableaux. Des plus petits. Donc là, il y a plein de bougies, des grosses, des petites, des Airwick. Je sais pas ce que ça. Je suis pas sûre que ça embaume des masses par contre. Ah, elles sont bon celle-là. Ouais. La Whitey là. Ça, j'aime pas trop, mais la Whitey, elles sont super bonnes. Ah, ça. Ah, je vais prendre une whitey, elles sont super bonnes celles-ci. On verra bien, 1,59€, on va tester ça. Un petit bougie chauffe-plat trop mignon en forme de hibou. Tout mignon, mignon. C'est pareil, il y a plein de bocaux. Attends, il baisse. Bocaux pour mettre des bonbons, des choses comme ça. C'est tout chou cette histoire. Ils ont, oh là, ils ont aussi remis des vergères comme ça, 99 centimes. Regarde, ils ont mis des roses. Mais avant, là, il n'y a pas de paille. Non, mais bon, à la limite, la paille, pour ce qu'on en fait. Donc après, il y a des produits d'entretien, mais moi, je voulais voir s'il n'y avait pas des éponges magiques. Et à part un autre, non, non, pas.
t'en vois pas. Les éponges magiques, je sais plus ce qu'on les avait trouvées. Regarde, on a ça. Regarde, ils ont mis des crèmes pour les saucisses, ce qui est vraiment pas mal. Et ça, il a 7. Et je le vois pas. Quand il a 7, l'une de tes boutures de la saucisse. Tu vois, Richard, des crèmes pour les saucisses, c'est pas mal. C'est le bordel, les gens, franchement. C'est toujours le bordel. Ah non, là, c'est pire que tout. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est puissant, c'est pas le deal. C'est vraiment bon, on dit. Il y a vraiment de tout, de tout, de tout. Je sais pas si on prend des trucs ou quoi. De quoi? Des gâteaux, en fait. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose en ce moment. Il y a toujours autant de gourmandises. Mais... Il y a une tonne de monde. Il y a les fausses fleurs aussi qui sont très bien. Moi j'ai des roses blanches qui sont vraiment parfaites. Oh là là. Une tonne de monde. Il y a des lampes. Oui mon chéri. Oui mon chéri. Est-ce que je peux prendre ça? Oui. Ah bah évidemment, tu demandes à papa, il te dit non, tu vas me demander à moi et je te dis oui et après voilà quoi. T'es obligé quand même. Bah bien sûr, voilà, bah oui. Évidemment. Petit malin. Oui. On a de nouveau. Il y a celui-ci avec des toucans. Ah, okay. Et celui-ci. Maman, elle m'a dit oui. T'as vu comment il est? Et tu préfères lequel? Le grand fou fort. Gros vase comme ça aussi, ça va être sympa. Une bouteille. On peut faire notre crème solaire, des serviettes de plage, des lunettes de soleil. Ça sent l'été. Rayon vêtements, ben oui, on va passer par là. Même si nous on craque jamais trop pour les vêtements. Tu viens, Ilan? Comme taille, par contre, c'est que S. Voilà, une pêche. On va goûter les trois. Donc je vous fais un haul vite fait avant de partir donc pour Paris pour aller rejoindre la sœur de Ilou. Donc avant je me suis repris un petit sucrier comme ça qui était à 1,95€. Ensuite on a pris deux paquets de chips comme ceci qui étaient à 1,98€. Donc ça c'est pour ma fille. Ensuite, je me suis pris ça en fait pour poser des photos. Donc vous avez un petit soc comme ça en bois et vous glissez en fait les cadres dans les réunions. Donc ça a l'air très sympa. Et ça c'était à 3€ quelque chose, 3,29€. Ensuite ma fille s'est pris un mascara de la marque Max & Lange. Je vous dirai ce qu'il vaut puisque bon, c'est la première fois qu'on a testé ça. Extreme Amazing qui était à 99 centimes. Ensuite elle s'est pris deux crayons comme ça qu'on aime beaucoup en fait colorer, Bic. Les chips en fait elles étaient à 98 centimes, c'est le prix des deux en même temps. Ah d'accord, 98. Ah d'accord, 98 centimes. Et les stylos? Et les stylos 99 chacun. 99 centimes chaque paquet et franchement ils sont géniaux, ils écrivent super bien et la couleur est sympa. Ensuite elle s'est pris un dissolvant pour les ongles comme moi en fait et je sais d'avance qu'il est génial, donc c'est parfait, il est sans acétone, c'est un 250 ml et il est à moins d'un euro, c'est ça? Il est 99 centimes. 99 centimes. Mon assistante. Ensuite mon mari s'est pris des paires de chaussettes comme ça, donc trois paires, il en avait déjà acheté, elles sont bien, c'est 2€. 2,39€. Ensuite on a pris, enfin j'ai pris deux bougies comme ça, il y avait plusieurs senteurs, j'en ai senti plusieurs dans le magasin. Rien ne me plaisait, mais alors la Whitey, j'ai eu un gros coup de cœur, du coup j'en ai pris deux, elle était à 1,59€, c'est ça? Ouais. Et je sais pas si elle va embaumer ou pas, mais en tout cas rien que là, elle dégage, elle a parfumé tout mon sac à main. Et ensuite... Un ensemble de chevaliers, c'est quoi? Et un ensemble de chevaliers, c'est Aylan.
Montre-moi, c'est là. Oui, alors l'ensemble de chevalier. Non, mais... Voilà. Combien c'était 3,99€. Donc il y a le truc pour protéger le ventre, un poignard et une épée. Ensuite, Mathis s'est pris ce petit carnet un peu estival avec des toucans dessus qui était à 99 centimes. Ensuite, on a pris un lot de grosses pailles comme ça, des énormes pailles. Je ne sais pas si vous pouvez rendre compte, mais elles sont très très grosses. Il y en a 20 dedans et elles étaient à 59 centimes. Donc ça sera génial si on fait des verres glacés ou des smoothies ou des trucs comme ça. Et pour finir, en fait, on a pris trois trucs comme ça qui sont, vous savez, pour faire des comme de la grenadine, en fait, de l'eau parfumée. Donc on a pris orange et pêche. Apparemment, c'est sans sucre et ça permet de faire 30 verres. Et c'est 99 centimes. 99 centimes chaque. Celui-là, c'est pomme cassis. Et le dernier, c'est strawberry, donc fraise et melon. Voilà, donc là, on part en mission, entre guillemets, à Paris pour rejoindre donc la sœur de Ilou, en fait, pour lui amener donc un sac chargé de magazines, de revues, de choses comme ça, et puis bah surtout le verre que j'avais trouvé chez Action pour sa petite fille. Donc j'ai changé de haut, j'ai mis le haut léger que j'ai racheté en double, hein. Du coup ma fille a pris l'autre puisque finalement au soleil il fait super chaud. À Londres il fait frais, mais au soleil il fait super chaud. Donc je pense qu'à Paris il va faire chaud. Donc là on a 5 minutes à pied à peu près, et ensuite on monte dans le RER et il est direct Gare de Lyon, donc impeccable. Ça y est, on est bien installé dans le RER, on va être à Gare de Lyon d'ici 20 minutes à peu près. Donc voilà, on est au premier étage, on voit pas grand chose derrière, mais même arrivé à Paris on verra rien du tout parce que tout est en souterrain. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure, on croise les doigts pour qu'un Starbucks apparaît également, parce que je suis pas sûre de mon coup. Parce que j'ai pris une toute petite bouteille d'eau et on est déjà complètement déshydraté. Donc on croise les doigts. Donc on va clôturer ce vlog. On s'est arrêté avec ma fille vite fait sur un banc. On est à 5 minutes de la maison, mais j'ai plus que 8% de batterie. Donc on a trouvé nos boissons. Moi j'ai pris cassis framboise et ma fille a pris mangue passion, c'est ça. Et en fait, elle a préféré cassis framboise. Donc du coup, elle a bu la fin du mien. On est tombé sur les magazines. Votre beauté comme ça, avec la petite crème Embryolisse, donc qui fait 30 ml et qui était vendue 3,95€. Donc on a trouvé ça sympa. Donc du coup j'en ai pris un pour moi et un pour ma fille, parce que vous savez que j'adore la marque Embryolisse. Et du coup en fait j'ai rencontré donc la sœur à Ilou, et Ilou en fait m'avait fait plein de petits cadeaux, donc notamment des dattes d'Algérie. Donc on a trop hâte de goûter ça. Et ensuite elle m'a fait une petite boîte comme ceci, juste trop belle. Voilà, et donc on va l'ouvrir ensemble, comme ça on clôturera le vlog avec ça. Donc elle a mis du scotch, donc je vais essayer de retirer le scotch sans faire de bêtises. Donc on va ouvrir ça ensemble, parce que je voulais pas abîmer cette image. Je pense que c'est une carte, je pense qu'elle m'a mis un petit mot à l'intérieur. Ouais. Donc je lirai ça tranquillement à la maison. Oh là là, oh là, là. Il y a plein de trucs. Donc elle m'a mis un gant comme ça pour faire des gommages corporels, donc ça c'est top. Elle m'a mis une crème de blé pour les cheveux. Je connais pas du tout, donc je vais lui demander un petit peu comment ça s'utilise. Je pense que c'est un masque capillaire, mais je vais lui demander avant comment ça s'utilise. Elle m'a mis une paire de chaussettes avec des étoiles, et ça je trouve l'attention juste trop mignonne, puisqu'elle sait à quel point j'aime les étoiles. Là il y a un échantillon aussi de poudre dépilatoire texture légère fleurs de printemps. Donc pareil, je connais pas trop, donc je vais lui demander comment utiliser ces produits bien sûr. Ensuite elle m'a glissé un produit, c'est un masque purifiant à l'argile, donc à l'argile verte, soufre d'argile blanche. Ah, aussi. Oui, je connais moi. Donc voilà, je suis trop contente, c'est que des produits que je connais pas. Elle m'a glissé aussi un petit produit comme ça à l'argan. Donc ça je pense que pour faire les masques capillaires pour ma fille notamment, ce sera top. Mais pareil, je lui demanderai bien comment utiliser les produits. Ça c'est du savon noir. Donc ça c'est pareil avec le gant de... c'est la fête ici. Avec le gant pour se gommer la peau, ce sera vraiment top. Elle m'a mis ensuite des petits sels comme ceci. Donc c'est des sels de bain à la rose. Donc, moi j'aime beaucoup l'odeur de la rose. Donc un petit... ça me permettra de faire un bain. Et ensuite elle m'a glissé, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Donc je vais lui demander, je pense que peut-être que c'est un dentifrice, je crois. Ah ouais?
Bah écoutez, je connais pas du tout, donc pareil, avant l'utilisation, bien sûr, je vais lui demander pour pas faire de bêtises. Voilà, donc je suis super contente, c'est que des produits que je connais pas, donc ça va me faire beaucoup, beaucoup de découvertes. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu et je verrai ça au montage ce que ça va donner. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais à tous et toutes de très, très gros bisous. Ciao!